La Turquie a décidé de se retirer de la course à l'Euro 2028, il ne reste donc plus qu'une seule candidature pour accueillir le tournoi. L'été prochain, l'Euro se déroulera en Allemagne à l'occasion d'un tournoi particulièrement attendu après l'édition 2021 initialement programmée en 2020 mais reportée à cause du Covid-19 marquée par des stades pas forcément remplis suite aux différentes mesures faisant suite à l'épidémie de Covid-19. Et alors qu'on se rapproche tout doucement du début de cette compétition, on devrait rapidement savoir qui sera le ou les prochains pays à accueillir cet événement en 2028. Plus qu'une seule candidature. Surtout qu'il ne reste désormais plus qu'une seule candidature. En effet, la Turquie, qui s'était positionnée, a décidé de se retirer de la course à l'obtention de l'Euro 2028. Comme l'a dévoilé l'UEFA aujourd'hui. Cela signifie qu'il ne reste désormais plus qu'un seul postulant avec la candidature commune du Royaume-Uni et de l'Irlande. Cela va être officiellement annoncé le 10 octobre prochain lors du traditionnel congrès de l'UEFA. A noter que la Turquie ne compte pas abandonner son projet et postulera pour 2032, tout comme l'Italie.